Voilà, les policiers étaient ici. Mais Gazi, tu l'as fait pour le souverain, Boruga, Placible. Donc, manifestant, on a avancé dans le morning. On a mis un homme et Gazi. Gazi, chichi, de faire un peu. Donc, police, où tu as. Voilà, nous allons essayer de vous montrer les policiers. Tout ce que nous avons fait. Palais de la culture, en fait. Donc au niveau du palais de la culture, les policiers sont restés là-bas, comme vous pouvez les voir sur les images. Donc où c'est Gnarata, palais, en fait. Peut-être c'est une stratégie de leur part pour que Kaseka pointe Gali, Kaseka Obama. Manifestant qu'on est déterminé les nous, mais filmer les mandoués, raison pour laquelle Améga pour le soudron est beaucoup où il là. Donc comme on a barakono, ni Mogodoya Lanini. Coup qu'on a assez qu'à filmer, donc il n'y a pas de problème, on ne les filme pas, mais on va vous montrer les policiers pour que Akaseka aille ce qui va se passer dans les heures à venir. Donc les manifestants s'apprêtent à couper les chemins. Donc juste devant les policiers, manifestants, on ne me coiffait. Go goûter filmé, bon problème t'as là. On va se diriger vers la police. Donc on a un mec dans le feu de l'action. Bon, n'empêche, le journalisme oblige. Donc, oui. N'empêche, le journalisme oblige. Donc, les policiers ont battu un. Donc, c'est là où on est. Peut-être c'est une stratégie d'avancer. Ou bien, c'est quelle stratégie de la police on se demande. Donc nous allons essayer de continuer comme il me redonne fana bien. Donc pour le sub avancer, nous allons essayer namsega joro nyenama dosoro pour pouvoir voir ce qui se passe. Donc nous allons battre en retrait. Cousin, caméra bien fait, ça n'est pas filmé en fait. Ou bien si ça vous dérange, je peux.
Si ça vous dérange, je peux couper aussi, il n'y a pas de problème. Si c'est dérangeant pour vous, c'est qu'il n'y a pas de problème. Oui, bon, des petits problèmes avec les manifestants. Mais si ça continue, nous allons essayer de devoir arrêter le direct parce que les gens se plaignent beaucoup ici. On les comprend. Et nous allons être obligés qu'il y ait un affrontement direct à Ojo pour s'attendre à ce que nous allons être pour ne pas que Kouore ait un abord à Konala. Parce que nous avons une femme, donc ce n'est pas grave. Affrontement qu'on met en gaz contre Gabakuru et Lance Pierno et Manabele. Donc nous sommes là dans le feu de l'âge. Voilà. Voilà, c'est avec ça qu'on se défend. Donc avec les pierres et les lance-pierres, c'est ce que les manifestants ont. Et la police par contre a les gaz lacrymogènes. Les gaz les phares. Ok, pour les gaz les phares. Donc ça c'est le nouveau Touaouga. Donc nous voyons que la police est en train de se disperser. On ne connaît pas trop la stratégie, mais les barricades s'installent peu à peu par les manifestants. C'est pour empêcher la police dans son avancée. Donc la détermination est du côté des manifestants et aussi des forces de l'ordre, comme nous le voyons sur l'image. Voilà, donc les manifestants décident de s'avancer. La police quand même a décidé de se disperser. On ne sait pas trop quelle est la stratégie. La stratégie, c'est que leur gaz est fini. Oui, il veut parler. Il veut parler. Non, peut-être qu'il demande à parler. Tu veux parler? Ok. Donc, monsieur, vous êtes là depuis fort longtemps. Ani Poulsou, qu'on m'a dit. Alors, qu'est-ce qui explique votre motivation? La motivation, c'est qu'ils veulent à tout prix dépasser notre checkpoint pour aller je ne sais quoi. On ne sait pas ce qu'ils foutent ici. C'est une tentative, c'est une provocation. Et si c'est une provocation que nous avons répondu également de façon supplémentaire. Voilà, donc nous sommes là et nous nous défendons seulement qu'avec ça. Donc vous ne vous attaquez pas à la police, mais vous essayez justement de défendre votre position. Nous les repoussons, c'est tout, on ne les attaque pas. On n'est pas contre eux, c'est des gens qui travaillent pour nous en principe. C'est avec nos impôts on les paye. Donc si aujourd'hui voilà, ils se mettent contre nous à défendre un système qui est malheureusement qui est contesté par tout le monde, je crois que c'est décevant. Mais nous on va se défendre, voilà, on va défendre Les gaz lacrymogènes, les balles réelles, ça vous fait pas peur, tout ça? Bon, la peur c'est pour les lâches, nous on n'est pas des lâches, on n'a pas peur. On va défendre notre position. Ici c'est des hommes, ils n'ont qu'à aller au centre du nord. Au nord, ils n'ont qu'à aller au centre, ils n'ont qu'à aller au nord. Nos parents sont tués là-bas. Nos petits frères, les villages sont pillés. Ils ne font rien. C'est sur des populations civiles non armées qui viennent mettre leur rage. On va se défendre jusqu'au bout. Ok. Merci beaucoup. On a marre de ce régime. On a complètement marre de ce régime. On veut un nouveau président. Il faut qu'il naisse notre trône. On a besoin de notre trône. C'est un intérêt. Donc, c'est un fouet. Non, malgré... zéro. On est venu à Anana Kamari. Comme vous pouvez le constater, manifestant Goko, Sran Fouetol du Sukuna, Ugal Langiniti, Dore Fouye, Oui, Mouye, Jamana Kantrimbe, Ibrahim Bokar Keta, Kaka, Uka Fangaka, Allah Segi Uma, Gazi Bikachi, Mouye, Baleria Louere, Oko Beborala, mais manifestant Uka, détermination, ça reste de taille. Donc, nous avons deux fronts à couvrir à la fois. Et l'arrivée, nous sommes en train aussi de checker l'arrivée des détenus au niveau de chez l'imam Mahmoud Diko. Et en même temps, nous avons voulu suivre ces manifestants qui étaient en plein affrontement avec les policiers. Donc, merci à tous nos suiveurs et à toutes nos suiveuses sur la page RTFM. Donc, moi, Palais Fanfela, les manifestants se dirigent vers là-bas actuellement. Pour ceux qui ont mes positions, on est là pour ceux qu'on dispersera. Donc, nous allons voir par où ils sont passés. Donc les manifestants où qu'on y met à avancer Kosobe, vont mou mega Jenny ou filmer les amis qu'on le filme, mou fana avec ou plein ni filmer les, on y est filmé les jours au loup fanfé. Donc apparemment la police est en train d'arriver. Donc apparemment la police est en train de battre retraite.
les manifestants fuient de tous les côtés. Et nous, nous allons essayer de nous mettre un peu à l'abri pour filmer. Parce que les risques sont très forts, parce que les journalistes sont référents. Là, la l'Inteco, nous connaissons. Donc, manifestants, on a voulu légal ça, pour casser le bord, pour tailler fait. Donc, reste à voir maintenant qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ont une position flabébla pour le moment. Ok, pour Bouababla, manifestants, on continue pour l'année au drone. Donc, ils sont vraiment déterminés, les manifestants, à pouvoir protéger, comme ils l'ont dit, leur checkpoint. Vous les voyez de loin. Ils sont beaucoup, il y a beaucoup derrière, il y a beaucoup. Ils sont des centaines ici à vouloir défendre leur checkpoint avec des lance-pierres et aussi des pierres. Donc, au cas, la ligne au drone des billes. Donc, Amé, ni Doni Karamé, c'est Ngata, Imam Kayoro là pour voir. Les manifestants, ils avancent toujours. Manifestant qu'on a avancé dans Doni. En fin d'abri, je suis Yann Gato Gazi Gachi. Chama, on est matelatom, on est mouneno moro, on est à la Kosobe. Pour que Gazi Kassa, ka a fini. Va durer. Voilà, on est avancé quand on a premier pont fait. Parce que, apparemment, pour le souk, meilleur homme, on a premier pont niveau là, on ne les voit pas trop là-bas. Approché. On va faire la guerre. Donc, Gérald, qu'on a là, et dans peu de temps, nous allons retourner vers la mosquée de l'imam Mahmoud Diko. Donc, ça se passe à Badalabougou. Nous sommes en train de suivre les manifestants. Franchement, la situation ne fait que s'empirer, parce que aucune des deux parties ne veut lâcher prise. Al nous assurons qu'il va demander là-bas nous mener non, oui, car faut qu'on détienne nous nous bêbes là. Donc mon corps va avancer, oui, car barricade vous poser. Peut-être que am sont à dire qu'il faut mouiller point que l'imam car samedi à nous connu point tiers sont à répéter façon dont pour manifestants mais qu'à avancer, on risque fort de voir le pont, le premier pont occupé. Coupé pour qu'il n'y ait plus de passage pour les, ceux qui sont déjà de l'autre côté ou bien de l'une ou bien de l'autre, de l'un ou bien de l'autre côté dérive. Donc vous voyez, voilà, on va faire en sorte que où qu'on a beau, mais on va juste filmer les barricades. Là, ah ouais, il y avait barricades où vous êtes là dedans. Non, aïe, est-ce qu'à boire, t'es mais. Il est dans le gabo. Il est dans le gabo. Ah non, 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 tu te regardes. Tu veux parler? Ok, un manifestant. Donc, Toro, Abba Blari. Donc, Baba Blari. Abba Gang. Gazini Bali au Chita Ostra. Autofoy Ghana. Ok. Donc, voici, en flané. Premier point à l'air niveau là, justement. Un manifestant. Ani ou suit ou avancer qu'on a là. Quand même, la police s'est dispersée. Bon, on ne peut pas clairement vous dire où est-ce que la police est partie. Voilà, donc nous allons nous arrêter ici un peu, essayer de zoomer. Peut-être sûrement. Voilà, barricade qu'on veut poser. Donc on commence même à dire que Moro ti Temetuguni. Mais nous allons rester toujours ici pour voir réellement ce qui va se passer ou bien ce qui se passera par la suite. Donc manifestant méga boninke. Pour ceux qui ont joué nos pondas là juste, on va suivre l'évolution. Bon, on est amis guerre qu'on a fourni non fait pour que savoir ce qui se passe. Au risque, parce que Abaro Djamana est niveau Nimina 600 à Mano Rondoni. Donc pour le souffle, on a fait un peu de temps pendant là, de là où nous sommes.
Améga écart donne ça, c'est pour qu'on ne soit pas mélangé avec on ne soit pas mélangé avec les manifestants pour ne pas qu'on en a considéré fait comme si on manifestait alors qu'on est là pour juste vous informer, pour juste vous faire savoir ce qui se passe réellement dans le pays. Donc on avait là qu'on est barricade ou posé gabakuru bon mais qu'a continué qu'a qu'est gata pour le souffrant. Peut-être est-ce que la police n'a riposté, on ne sait pas trop, mais de toutes les manières on verra. Ça, tu sais, une certaine distance. Je sais bien que ça, c'est le barbare. Tout le monde, nous, les militants, nous allons s'attaquer à tout le monde, nous allons arriver à tout le monde. Donc, ce sera mieux que si tu ne l'aimes pas trop, mais tu ne l'aimes pas trop, tu peux te permettre de régler très vite. Souvent, les manifestants, voilà, moi, je dis, hop là, pour que vous soyez au courant, dans le monde, nous, voilà. La police est là. Polisou Konbe, anti-manifestant, nous sommes de la presse. Polisou Djolon au premier pont niveau là. Peut-être sûrement c'est pour protéger les ponts, on suppose. Et qu'à faux pont, on a et parce que depuis ce roman, oui. Donc Polisou, il est boulam. Ils sont en train d'avancer. La police avance un peu, manifestant pour n'avoir reculé. Tu fais vite. Tu fais vite. Donc, pour le sou, il est gazé. Donc, ils font deux pas en avance ou plaque à Segui. Donc, vous pouvez les voir. Gazi Chichibé. Donc, pour le sou, on avait très mal à Sénafolo. Et nous allons essayer de nous sécuriser. On va essayer de sécuriser. Donc Gazi Chichi a régné bien là. Donc pour le souk à Barkadim Numbé, ou à place ou à bout, on ne sait pas. Ah, ils sont en train de placer des barricades. Pour le souk à Barkadim placé pour le moment. Je ne sais pas. Voilà, pour le souffle, on a Gabakuru Bon. Apparemment, je ne sais pas, ni Gazi de Bana ou ni Mundo, mais les policiers sont là, on a manifestants, on a Gabakuru Flou, on a Gabakuru Tara Flou. Donc, on a avancé. Voilà. Voilà. Voilà, les manifestants sont en train de battre en retraite. C'est pas facile ici. La police avançait. Donc les manifestants aussi.